Salut à tous, c'est Mike, on se retrouve pour la suite des aventures de Shirtal. Eh bien, il est là, hein. Alors, est-ce qu'on a vraiment envie de... Évidemment qu'on a envie. Alors par contre, je vais pas le tryhard, hein. Sincèrement, je vais voir comment ça se passe. Mon Dieu. On va viser les patounes, hein. On reste dans les patounes. Allez, on se casse parce qu'il a craché du feu, non? Même pas, il redescend. Bon, pour l'instant, ça a pas l'air... Bon, je galère un peu à le toucher, on est d'accord. On peut pas lui couper la queue? On peut pas lui couper la queue. Ah ouais, ça c'était sûr. Bon, ça m'a l'air jouable quand même, hein. Il est plus impressionnant que fort, j'ai l'impression quand même. Ah non, les flammes. On va pas le first try, c'est un peu dommage. Quoique. Ah, je peux pas équiper ma... Ça c'est dommage. Là il me touchera pas d'ici. Il y a quand même limite. Oh non! Il a tout esquivé, le salaud. Non! Bon, la magie, c'est pas la peine. Aguil, le dragon volant, il s'appelle, d'accord. Eh ben Aguil, tu vas prendre cher. Bon, après cette petite intro, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne, parce que c'est important pour la soutenir. Et puis ça me donne de la force pour vaincre ces boss absolument abominables. On est reparti. Par contre, on va faire un changement tactique indispensable. Non, non.
super, ça commence très bien. Ouah. Bah ce combat était plus court que le premier, clairement. Oh, le coup de queue, il a one shot mon. Allez, c'est pas ton cheval en fait, tu peux absolument pas contrer les flammes. Pourquoi la première fois il me paraissait simple, il me paraît beaucoup plus compliqué. Est-ce que je sais pas mieux avec ma petite épée moi? Je sais pas. C'est possible hein. Oh, ce coup de bouche. Oh putain, la vache. Oh ouais, c'est chaud du cul quand même. Je sais pas comment j'ai réussi la première fois à lui faire perdre autant de points de vie. Oh non, oh, il m'a touché. Touche derrière le... Il me touche pas. Oh non mais... Ah, il faut que je recule sur ces flammes là, je peux pas avancer en fait. Bon sans le cibler ça passe déjà mieux. Bon par contre les loups... Ils vont rester à la niche, hein, on est d'accord. Au moins que j'ai quoi Qu'est-ce que j'ai comme truc qui me sert à rien? Des attaques draconiques spéciales. On va peut-être pas attraper un dragon avec du draconique. Une onde gravitationnelle en forme d'éventail. Provoquer une explosion gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est que ces trucs?
va tester, hein. Ça lui a fait mal. Ça m'a tué aussi. Bon, c'est très fort, mais alors là, je vais gaspiller pour rien. Clairement. Ça marchera mieux sur un autre boss qui sera un peu moins gros et un peu moins. Qui volera moins. Un boss sur lequel je pourrais rester à côté. Non, il va falloir qu'on se le fasse en mode réglo. Hein. Il faut que j'arrête de quitter mon cheval. En cliquant sur ce foutu joystick, il est où ce salaud? Il est là-bas. Oh merde! Bon bah voilà, comme ça c'est vraiment gâché. Je me demande si ça passait pas mieux avec avec mon petit fleuret. Si j'avais pas pu ça le toucher avec mon petit fleuret quand même. Il est où? Pourquoi j'ai respawn au statut? Oh, il est chiant en fait. Je pensais que ça allait passer tout seul, mais il est chiant. Pas vrai ça. Ça m'agace. Le descendre de cheval sans faire exprès, ça m'agace.
Non, mais c'est... La première fois, j'ai réussi à le mettre midlife, et là, il me roule dessus. Mais il me roule vraiment dessus. Hein. C'est... Qu'est-ce qu'il fait là? Non mais c'est incroyable. Il est où? Pourquoi j'ai respawn super loin? Je me suis gouré de respawn? Non. Moi j'ai respawn vachement loin. Peut-être le jeu qui me dit arrête de te faire du mal, t'as aucune chance. Bon, on l'aura ce dragon, sincèrement. Il est hors de question que ça reste comme ça. Hein. Comment j'ai pu ne pas le voir tout à l'heure en visitant le... C'est incroyable. Oh, coup de queue là. Mais comment je l'évite? C'est fou ça, hein. Je dis pas grand chose parce que je suis un petit peu concentré. J'ai essayé de pas me faire rouler par la caméra.
putain, le mauvais timing. Le rat, il est où? Non. Non. Il a ripop à le bout de la map. C'est quoi cette blague? Il faut que je remette tous les dégâts là ou on est reparti comme des... Ok, non, c'est bon. Oh putain non. Non. Il est où? Oh, il est au-dessus. Purée. Ah, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté, on était pas mal. Hein. Ah, si je faisais à peine plus de dégâts. C'est ça de pas avoir trouvé d'armes de dextérité là aussi. Là. C'est quoi ce jeu? J'en ai vu combien? Des boss 7, 8? Aucune arme de dextérité quoi. Après, je pourrais aller améliorer mon arme, mais je suis pas sûr de vouloir garder celle-là quoi. Directement. Il commence par les flammes, il m'atterrit sur la tronche quoi. Donc ce boss là, clairement, on peut pas le vaincre sans passer par la case cheval. Hein. Il me touche.
trop gourmand. Je ne connaissais pas cette attaque. Il ne l'avait jamais fait le feu en cercle. Ah là, il tire plus loin là. Vas-y, descends là, abuse pas. Ah mais c'est pas vrai.
Je me casse d'ici. On va écraser du feu partout, quoi. Non. Putain comme j'ai le seum. Putain comme j'ai le seum. Putain. Mais comment je suis dégoûté. Mais comment je suis dégoûté. Bon, on a à peu près la strat quand même. Oh merde. Je vais boire une potion parce qu'on avait plus de points de vie, j'ai pas fait gaffe. Allez.
On est pas mal. Ah non! Ouf! Mon dieu! On a eu chaud sur ce coup-là. Ouais, je t'ai vu venir, mec. Merde. Non. Non. J'ai envie de me suicider. Mais pourquoi je panique à la fin, quoi? Putain. Où la mort, dragon? Super. Ah, comme il fout la mort, dragon. J'ai fait des erreurs en même temps. J'ai fait un paquet d'erreurs. Allez, c'est la bonne. Cette fois-ci, il n'emportera pas au paradis. Alors déjà on fait moins de mal. Crache du feu, crache du feu. Ah non, pas comme ça. Pas comme ça le feu. Quoi, sympa.
Il est lent. T'es tellement lent. Ah, tu m'as touché. Lent, tellement lent. Raté. Passe du feu pour moi. D'erreur encore. Qu'est-ce qu'il fout là-haut? Vas-y, reviens là, arrête de faire chier. Redescends, ça le lâche. Allez, celle-là, je redescends. Il prend l'escalier, quoi. D'accord. Il est ouf, lui. Rester bloqué là, ça me va, moi. Crache du feu, ce connard. Ah non. Non. Non, mais il se fout de ma gueule. Mais il se fout de ma gueule. Trois fois. Trois fois, alors que... Il me reste des potions, là. Purée. Dégoûté.
va lui mettre un perfect à ce salaud. Non. On va pas lui mettre un perfect à ce salaud. Bon. C'est la bonne. Même pas mal. Allez. Oh, il m'a touché. Oh putain. C'est un peu nul qui dépop au bout d'un moment. Me faire cramer le bout du fion.
il est pop. Bon, on est pas si mal. Il nous reste 4 potions. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Et ben voilà. Cœur de dragon. C'est un très mauvais film. Un nouveau pouvoir est désormais disponible dans la cathédrale de la communion dragonique. Ok. Eh bien... Je sais pas ce que c'est que la cathédrale de la communion dragonique, mais on va aller à la table de grâce, c'est peut-être là. Hop là. Bon bah voilà. On a encore fait une vidéo avec un boss. Ça n'arrête pas, mon dieu. Ça n'arrête pas. Donc cœur de dragon, à quoi ça sert? Donc comme je sais jamais où sont rangées les choses, c'est très pratique. Objet clé. Octroie le pouvoir du dragon à l'hôtel de la communion draconique. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Il m'a donné que 5000 âmes. C'est un peu radin. C'est un peu radin. La porte ne bouge pas. Lui, c'est l'ecclésiastique qui veut me vendre des sorts, mais je m'en fous. Lui. Port probable. Que voulez-vous? Ben, je vais parler avec toi. Non. Ouais, je vais ouvrir cette porte non plus. Offrir une perle cinéraire. Je n'ai pas de perle cinéraire. Les carcasses des servantes jumelles. Acheter. En lui, on peut lui acheter des arcs runiques. Contre la punition d'une ruine majeure équipée. Appelle un chasseur à l'aide lors d'une invasion. Répond aux demandes d'invocation des chasseurs. Ok. Ah. Ah. Ah là, on va taper dans les armes qui sont pas mal. Elle, est-ce qu'elle sait en dextérité? C'est tout. Vous fait prendre l'apparence de l'hôte des doigts. Vous fait prendre l'apparence d'un allié. Augmente les emplacements de mémoire. La rapière, elle est à 1000. Elle fait 96 plus 20. Ouais, je peux pas... L'arme des stocks. Et j'enlève les cendres. Bon. Celle-là, elle fait 109 plus 23. Est-ce qu'elle dé en dex et dé en force? Ah, parce que j'ai la force qui rentre en compte. Hmm. Pas intéressant la rapière. Si vous croisez une jeune femme nommée Lania... Ah oui, c'est vrai. C'est bon, il y a plein de gens qui ont sauté, là. Et qui se sont fait mal. Embuscade en vue. Manque cruel de géant, mais qu'elle trouve. C'est si haut que ça? J'arrive pas à... avoir la distance. Ici on a quoi? Un forgeron. Salutations, illustre champion de la grâce. Je me nomme Fia. Les circonstances m'ont poussé à rester au bastion de la table ronde. Illustre champion, me permettriez-vous de vous tenir dans mes bras l'espace d'un instant?
Peut-être accepteriez-vous de partager avec moi une partie de votre vitalité et de votre bravoure. Ce faisant, j'acquérirai la chaleur des champions et je m'en suis sûr jouirai de la bénédiction du baldaquin. D'où je viens, il s'agit d'un acte sacré. Tu veux ? Je vous remercie, illustre champion. Bon, on fait un câlin alors. Après, elle a dit qu'elle voulait prendre ma vitalité, ça m'inquiète un petit peu quand même. Vous êtes si chaud. Bénédiction du baldaquin. Elle a pris de la vitalité. S'il s'agit de la bénédiction du baldaquin, je crains cependant que cette sensation ne soit qu'éphémère. Revenez Worm si vous souhaitez vivre cela à nouveau. Je vous étreindrai aussi souvent qu'il le faudra. Ok, ça fait quoi la bénédiction du baldaquin? Parce que je crois que je me suis fait carotte une partie de ma barre de vie. Je vois pas. À aucun moment je vois ce que ça fait, la bénédiction du baldaquin. Non mais si je sais pas ce que ça fait, quel intérêt? Y a rien en statut. Changer d'affichage. R3 à vue simple. Une possédée 5000. Mais c'est... Ça c'est le genre de truc qui est chiant quand même, parce que... Sincèrement, il pourrait dire ce que ça fait, quoi. Rien de dire ce que ça fait, quoi. Parce que là, je ne sais pas ce que fait la bénédiction du baldaquin. J'ai pris un truc. Je ne sais pas ce que ça fait. Du coup, c'est très agaçant. J'ai pas l'impression que c'est changé mes stats. Mon arme fait toujours les mêmes dégâts. +76 +2, +76 +7. Je sais pas. Utiliser la coiffeuse, modifier l'apparence. Non, ça va. On est très bien, Adrien Rabiot. Bon, ça c'est le forgeron. Cendres de guerre. Duplication des cendres de guerre. À propos des chaînes sur vos jambes. Il semblerait que vous ayez remarqué mes chaînes. Je suis piégé dans ce bastion, condamné pour l'éternité à offrir mes services à des gens comme vous. Voilà tout. Bah offrir... T'as quand même l'air de... Hein? Ça scale l'intelligence. Renforcer stock magique, ça me demande de la pierre de forge. Il n'y a pas tous les composants, il manque des pierres de forge là. On est passé à 96 +12, ce qui est pas mal. Vendre. Pâte de volaille en saumure doré, depuis quand j'ai ça moi? J'ai tellement de trucs qui servent à rien. Non, par contre, ce que je peux vendre, c'est. Bon, ça déjà je m'en servirai jamais. Et celui-là je peux le vendre, celui-là je l'ai en double, t'as vu? Vous êtes prisonnier? Non, on n'allait pas vous méprendre. Je ne vous reproche rien, si je suis prisonnier ce n'est pas de votre faute. Ça me dérange pas de forger. Malgré mes particularités, je suis parfaitement capable de renforcer des armes.
Ma technique ne m'a jamais fait défaut. De plus, cela m'aide à oublier la terreur qu'elle m'inspire. Ok. Pas attaquer ici. Passage secret droit devant pour ainsi dire essayer de faire un signe. Faire un signe. Je l'ai moi le cercle. Je passe pour un con encore, on est d'accord. Vraiment quelque chose derrière cette porte. Ouais, il y a un truc. Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, faire un signe, ça marche pas. Il faisait quel signe, lui? Les deux, ils font le cercle du... Évaluation, 9999. Non, y'a rien du tout. Donc là, ça me dit bien que j'ai moins de vie, quand même. Ok, ma carotte a un peu de vie, mais alors pourquoi? Qu'est-ce que j'ai eu en échange? Aucune idée. Oh, du brouillard? Fruits? Oui, c'est des fruits, oui. Y'a rien. Mais c'est pas un brouillard que je peux passer? Ils disent tous de faire un signe. Les immos étaient servis à quelque chose. Bon. Bah, je sais pas où est l'hôtel des machins draconiques là. Donc, quoi qu'il arrive, ça m'avance pas des masses tout ça. Et j'ai claqué toutes mes pierres pour forger mon estoc. Alors que c'est un peu une arme de merde. Je suis un peu mitigé sur tout ce que je viens de faire. Bon, bah déjà le dragon. Il est mort. Et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu pour la victoire du dragon, ça fait toujours plaisir. Et puis un petit abonnement. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. On va essayer d'explorer. Et à chaque fois que je dis ça, on bat des boss. Donc il y aura peut-être un boss dans la prochaine vidéo. On ne sait pas. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.